Alors c'est la première fois que je participe au défilé pour la fête des bannières. J'avais déjà vu que c'était organisé par l'association Lyon-Ukraine et ça me tentait depuis longtemps de participer. Cette année, je suis allée en Ukraine pour la première fois et j'ai fait l'acquisition d'un costume traditionnel, donc c'était aussi l'occasion de les traîner. Et je suis très fière de participer à cette manifestation, notamment parce que je suis d'origine ukrainienne du côté de ma maman. Mes deux grands-parents étaient ukrainiens et je pense à ma grand-mère qui n'est plus là depuis 30 ans, mais qui m'a transmis l'amour de l'Ukraine. Et donc pour moi c'est une grande fierté de participer à un défilé autour de l'Ukraine parce que ça me permet de penser à elle et je pense que ça fait plaisir également à ma maman, donc c'est une façon de perpétuer la tradition. Voilà, et puis aussi de faire partie de cette association, de faire découvrir l'Ukraine aux personnes qui ne connaissent pas forcément les couleurs du drapeau, qui ne connaissent pas les costumes traditionnels. Et ça fait plaisir de pouvoir transmettre ça aux gens. Le défilé, c'était justement aussi l'occasion de découvrir le hopak ukrainien que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un art martial ukrainien et on a eu la chance d'avoir, par l'association Lyon-Ukraine, deux hopakistes, donc c'est des Cosaques finalement des temps modernes qui sont venus. C'était vraiment impressionnant à voir, je les ai trouvés superbes. Il y a un côté chorégraphié qui est très beau et en même temps on voit que c'est un sport de combat, donc j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse montrer ça. Et j'ai trouvé que du coup ça donnait une originalité au défilé ukrainien parce que les autres avaient plus des chants et des danses, tandis que nous on a montré quelque chose d'original avec ces hopakistes, donc bravo.